سرى وماء يئن. الكمجات حقل من الليلة المتوحش ينأى ويرني. الكمجات وحش يعذبه ظفر امرأة مسه وابتعد. الكمجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نعوند. الكمجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة. الكمجات أسرع طير تفر من الراية الناقصة. الكمجات شكوى الحرير المجعد في ليلة فداء. يكتب محمود درويش لتر في الانستيتيو دو موند عرب. محمود درويش يكتب لتر في الانستيتيو دو موند عرب. نعم، دافيد يفي دي بروميري. Les portes en bois de Cordoue ne m'invitent pas à entrer porter le salut de Damas. Un jet d'eau et un jasmin. Je parcours les ruelles étroites par une douce journée printanière, ensoleillée. Je marche léger, comme si j'étais mon invité, ou l'invité de mes souvenirs. Comme si je n'étais pas une pièce d'antiquité que s'échangent les touristes. Je ne me suis pas perché sur l'épaule de mon passé avec une joie orpheline que requiert un poème remis à plus tard. Je ne crains pas la nostalgie depuis que je l'ai rangée dans ma valise. Mais je crains un lendemain qui court devant moi, à pas électroniques. Chaque fois que je l'emportune, il me tense, quête le présent. Mais les poètes sont nombreux à Cordoue, étrangers et andalous. Ils discutent du passé des Arabes et de l'avenir de la poésie. Et dans un jardin de peu d'importance et d'arbres, je vois une statue de la taille d'une main représentant Ibn Zaydoun et Walada. Ibn Zaydoun, le poète, et Walada s'amuse. Je demande donc à Derek Walcott, l'un de mes poètes préférés, s'il connaissait un tant soit peu la poésie arabe. Il répond sans regret, non, rien. Nous passons malgré tout ensemble 3 jours de rires ininterrompus et de railleries sur la poésie et les poètes, qu'il qualifie de voleur de métaphores. Il me demanda, combien de métaphores as-tu volé? Je me suis empêtré dans la réponse. Puis, nous avons rivalisé en l'ange des Cordouanes. Et il me demanda, que déclares-tu si une femme te plaît? J'ai dit, ma hardiesse sera à la mesure de sa beauté. Et toi? Moi? Si une femme me plaît, c'est elle qui se déclare. Je dis, si tu es un roi et un fils de je ne sais qui. Sa troisième épouse riait. À Cordoue, je me suis arrêté devant la porte en bois d'une maison et comme les Artabani, j'ai fouillé ma poche à la recherche de la clé de mon ancienne maison. Je n'ai pas versé une larme, car la blessure actuelle cache les cicatrices de l'ancienne. Mais Derek Walcott me surprit d'une question blessante. À qui est Jérusalem? À vous ou à eux?